Servat, Annie Servat, oui, Frédéric Vion. Alors, Henri-Jean Servat, j'ai envie de dire, on va peut-être vous parler d'un temps que les moins de 20 ans n'ont peut-être pas connu, et c'est dommage. Et puis, pour certains, ça va vous rappeler des souvenirs formidables. Des souvenirs hommage à Pascal Thomas. Bien sûr, mais alors, un franc-tireur du cinéma français, bien évidemment, qui lui est une espèce de légende dans le cinéma, parce qu'il a été le tenant d'un cinéma bucolique, champêtre, rousseauiste, grivois même parfois. Oui, oui, absolument. Parfois, il y a des scènes un peu scato même dans ces films. Pourquoi ? Alors, il faut comprendre que c'est arrivé au début des années 70, où la post-nouvelle vague s'amusait encore à scruter le nombril des petites chapelles parisiennes et ce genre de cinéma un peu sur le quant à soi, sur les émois sentimentaux post-truffaldiens, si j'ose dire. Et on est rentré avec ce cinéaste qui est originaire de la campagne, il est né à Saint-Chartres. Saint-Chartres, ça fait partie du petit village de Moncontour. Et on se souvient, quand on a lu Balzac, des pages sublimes sur le château de Moncontour et sur la beauté de la campagne qui buissonnait, qui ruisselait de lumière et de sensations tout à son alentour. Et donc, Pascal Thomas, il est originaire de Saint-Charles. Il a planté ses caméras dans un paysage de la Vienne qu'il connaît parfaitement. Chaque buisson, il l'a arpenté quand il était gosse. Donc, c'est là qu'il a installé ses personnages. Et ces personnages, je le redis, loin des salons parisiens, avaient eu des aventures sentimentales, champêtres, sexuelles, un peu amusantes. Et c'était drôle. Et ce fut, à l'époque, quelque chose... ça bouscula, ça chamboula tout le cinéma français. Il y avait du sang, il y avait de la sève, c'était vif. C'était assez joyeux. Voilà, c'était joyeux. Parfois, c'était rablaisien. Mais il y avait un ton original, un ton qui est tout à fait épatant. Alors, le premier film, on connaît Les Oiseaux, Pleure pas la bouche pleine, Le Chaud Lapin, celle qu'on n'a pas eu, Confidence. Donc, Pascal Thomas, qui est un être très cinéphile, qui a démarré en faisant un ciné-club, d'ailleurs, à Montargis, il avait ce jour-là invité chez lui sa muse, son égérie, si j'ose dire, un peu, votre rival sur les scènes de théâtre parisien, si je peux me permettre, Bernard Menez, voilà, qui est un collègue et ami. Voilà, qui est un grand acteur et qui est l'interprète favori et chéri fétiche de Pascal Thomas. Donc nous allons, dans le salon de Pascal Thomas, retrouver, et je raconterai une surprise sur Pascal Thomas après, retrouver et Pascal Thomas et Bernard Menez. À l'occasion de la sortie d'un bouquin. Menez. Excuse-moi, mais je t'ai pas forcé la main. Non. Tu t'es maquillé, là ? Je me suis tamponné. Bon, les résultats de vos compositions en français. Inutile de vous dire que c'est pas brillant. J'ai d'abord été un littéraire et un cinéphile. Quel est le déclic qui a fait que je suis devenu réalisateur ? J'étais pensionnaire. Le fait d'être au milieu d'un groupe constamment a fait que mon attention s'est portée sur les autres. J'ai créé une maison de production qui s'appelait Les Films du Chef-lieu, qui veut bien dire qu'on s'ancrait en province. Donc en effet, on s'est opposé au parisianisme. Tu payes ou tu penses pas? Tu vas que je te jupe? Ouais. Pour s'ennuyer le curé quand il va te voir. Je pense que Pascal amenait un nouveau souffle, on appelait ça le nouveau naturel, où les personnages n'étaient pas stéréotypés. J'ai toujours fait ce qui me plaisait. J'avais une contrainte pour le premier film, Les Oiseaux. C'était un film purement autobiographique. Vous en êtes fier ? Moi, au lycée. Alors, le sentiment romantique, c'est tout ce que ça vous inspire ? J'ai rien trouvé à dire. Vous aviez peut-être mal à la main ? Vous me doutez bien que c'était pas la crampe de l'écrivain. Je sers surtout à amuser, à divertir, que les gens ne s'ennuient pas. La chose la pire pour moi, c'est l'ennui. Mais vous êtes comme moi à jouer là, on peut jouer à quatre. Ah non, parce que nous on n'est pas fort, puis elle est encore plus. Ça fait rien, on se séparera, c'est pas grave, ça c'est sympathique. Non, ça va comme ça. Il y a Bernard Menez, qui est un personnage moliéresque. On était dans des bistrots, il arrivait, tout le monde riait. On s'est entendu très très vite, il m'a contacté pour me parler tout de suite de Pleure pas la bouche pleine. Tu veux dire que s'il n'était pas là, tu... Oui. T'as qu'à essayer de se voir tous les deux ailleurs, une autre fois. Ce serait bien. Ok. D'entrée après Pleure pas la bouche pleine, on a commencé à me reconnaître dans la rue, me demander des autographes et tout. Il est bien le costume. Ouais. C'est rigolo. J'adore rire et il me faisait rire tout le temps. Je dois être de ses metteurs en scène celui qui me fait le plus rire. Il est génial quand il s'accroche aux branches. C'est-à-dire qu'on répétait les scènes. Et au dernier moment, je changeais complètement la structure des scènes. Il dit, attends, il faut que je répète. Non, répète pas. C'était très, très, très amusant. Qu'est-ce que t'en penses d'Alain Delon ? Oh, pas mal, mais enfin, si j'étais une nana, ce serait pas mon genre. Bernard, c'est la présentation de toutes nos faiblesses, exprimées avec gentillesse et drôlerie. C'est en ligne directe, si je remonte, Fernand Reynaud, Feydeau, Labiche, bon, ben, jusqu'à Molière, Scapin. Le roi de la forêt ! C'est moi le chanteur. Le
les souvenirs des gens sont beaucoup axés sur les films de Pascal Thomas, qui sont pour moi des très très bons films, que ce soit Pleurs dans la bouche pleine, Le chaud lapin, Celle qu'on n'a pas eue, Confidence pour confidence. Papa, il faut que je te parle. Mais je t'écoute, ma petite fille, je suis prêt à tout entendre. Un père, c'est fait pour ça, je suis prêt à tout entendre, sauf que t'es enceinte, parce qu'alors là, t'as pas obligé de m'expliquer ce que tu as. J'espère ne pas avoir ennuyé. Est-ce que c'est perfectible? Certainement. Mais si j'essaie de perfectionner, ça ne sera pas volontaire, ça sera involontairement, comme toute chose. Les films de dilettante, mais la chose qui me résume le mieux, c'est quand même c'est le qualificatif, là. En fait, c'était l'histoire d'un type qui doutait de rien. Ah oui, tout à fait. Mais c'est, ça c'est Scapin, vous dites, c'est Scapin. Alors, il y a un coffret qui sort avec... Il a réalisé 20 films, Pascal Thomas, à peu près. Il y en a 6 ou 7 avec Bernard Menez, et il y a la moitié de... Il doit y avoir 10 films réunis dans un coffret qui est en vente actuellement. Et Bernard Menez, cette égérie, cette légende, on peut le dire, cette muse, a encore écrit un bouquin à l'Archipel qui s'appelle Bernard Menez. Et encore, je ne vous dis pas tout. Et ce que je voulais vous raconter, c'est que Pascal Thomas, il a épousé Nathalie Lafaurie, qui est la nièce de Roger Vadim. Ce qui fait que Pascal Thomas, il a été dans sa vie tour à tour le neveu, le vrai neveu à table de Brigitte Bardot, d'Annette Stroibert, de Catherine Deneuve, de Jane Fonda. Quand même, il a quand même un palmarès formidable. Et la plus belle femme du monde, si je vous dis, la plus belle interprète du monde pour lui, c'est Bernard Menez. Donc voilà, revoyez les films et lisez Bernard Menez. Merci beaucoup, Henri-Jean Servat.